Chaussures UGG, doit-on mettre des dents des bottes fourrées? Avant de devenir la paire de chaussures des It Girls et des flemmards du dimanche, les bottins UGG étaient avant tout des chaussures de sport. Oui, oui, vous avez bien lu. Certains ne le savent pas encore, mais la botte en peau de mouton retournée est l'indispensable des surfeurs depuis les années 1960. Popularisée en Australie où la glisse est aux Australiens ce que le running est aux Parisiens qui se donnent rendez-vous au bois de Vincennes. La marque UGG a depuis fait beaucoup de chemin. Aujourd'hui, elle est portée en ville sous forme de bottes. Bottines et même mules à enfiler rapidement. Mais quel que soit l'usage que vous en faites. Il reste quand même cette question restée en suspens, on porte les UGG avec ou sans chaussettes? Évidemment, on évite impérativement de mettre ses UGG après avoir marché pieds nus ou de les enfiler juste après une intense séance de cardio qui nous a bien fait transpirer. Mais avec une peau propre et bien sèche, il n'y a pas de risque que la fourrure interne se salisse ou devienne odorante. Et cela vient du fait que la laine mérinos utilisée dans la fabrication des UGG est connue pour évacuer l'humidité et ne pas retenir les odeurs. Malin! La rédaction de Voici vous propose de vivre une expérience exceptionnelle avec ses marques fétiches lors de son prochain pop-up qui aura lieu les 2 et 3 décembre 2022 à Paris. Pour vous inscrire au tirage au sort et gagner vos invitations, rendez-vous ici.